Alors Emma, qu'est-ce que ça fait d'être championne de France en double, Benjamin? Je suis contente. En plus, on a remporté la médaille d'or, donc on est plutôt contente quand même. On a gagné les doubles, donc on est contente. Avec Lisa, vous aviez déjà tenté d'être championne de France l'an dernier? Oui. On a perdu premier tour par des forts, moyennement, ça va. Ils jouaient plutôt bien, ils remettaient bien la balle. Et nous, on était plutôt stressés, c'était notre premier double, donc on ne savait pas trop quoi faire. Voilà. Raconte-nous un peu toute cette épopée du double qui vous a amené à être championne. C'est bien passé. Le premier, ça allait. On n'a pas joué des très très fortes. On a joué que des 5. Mais bon, après, ils remettaient bien la balle. Ça allait. Ils topaient pas trop. Mais ils faisaient des belles poussettes. Ils jouaient bien. Sauf que nous, vu qu'on a attaqué et vu que Lisa, elle a frotté la balle, il la remettait dehors. Et du coup, ça nous a fait gagner des points, beaucoup de points, avec nos services aussi. Donc après, on a essayé de faire le mieux pour gagner. La tactique, c'était toi tu pousses et elle top, c'est ça? Vu que je me suis blessée, c'était ça. Donc j'ai quand même pu topper avec de l'effet, avec de la rotation et qu'ils la mettent dehors quand même, en étant blessée. Elle mettait vraiment beaucoup d'effets. Moi, je mettais beaucoup d'effets dans mon service. Donc les joueuses, ils la remettaient soit dans le filet, soit dehors. Ou vu que c'était un peu lifté, coupé, ils la remettaient sur le côté. Après, ça allait. Ah oui, la blessure, c'était le premier jour, presque dès le début de la compétition. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai fait un revers. J'ai fait un coup tellement fort. On a quand même gagné le point, mais j'ai fait un coup fort. Et du coup, mon coup, il m'a fait mal. Il n'a pas craqué, mais ça fait comme une sorte de vibration. Donc voilà. T'as eu peur pour la suite? Oui, mais ça va, le kiné était sympa. Il a mis de la crème? Oui. Et donc, pour arriver jusqu'en finale, et vous jouez une paire qui est pas facile? Oui. Ils sont devant nous. Nous, on est deux et ils sont classés un, le coup. Mais on a fait le maximum, on a quand même gagné à la belle, donc c'était plutôt dur. On perdait 1-0, on est monté à 1-1, 2-0 pour nous, 2-1 pour nous. Après 2-2 à la belle, et après on a réussi à gagner les points, en faisant des poussettes et topées. Par exemple, il y en a une du double qui mettait les top spins de Lisa dehors parce qu'elle mettait tellement d'effets que ça sortait quoi, l'effet, la rotation, elle est forte quoi. La tactique aussi, c'était de jouer en ligne pour pas qu'elle nous bouge beaucoup, pour pas qu'on la loupe en fait, pour pas qu'elle nous la mette trop sur le côté. Et après, comme ça, on pouvait topper et après, on faisait des échanges quoi, des beaux échanges. Qu'est-ce que t'as dit à Lisa quand vous êtes devenue championne de France? Pas grand-chose. On était très contentes, heureuses d'avoir la médaille. Après, c'est quelque chose de grand quand même et on est contente quoi. On ne sait pas vraiment dire grand-chose, mais dans notre cœur, on est contente quoi. Vous y étiez vue quelques jours avant cette compétition? Oui. Pour vous préparer? C'est ça. Ça, c'est important aussi? Oui, c'est important parce que on n'a pas assez. Il faut quand même qu'on prépare, qu'on voit comment on bouge, nos signes. Donc ça allait, oui. Et un petit mot sur le coach, comment ça s'est passé avec Laurent Launay, qui est coach à Argentan? Oui, très très bien passé, très gentil, il donne des bonnes tactiques. Par exemple, il nous a fait gagner un set grâce à ça, il m'a dit de servir très fort coupé, et ça l'a mis dans le filet, et du coup on a gagné le set. Et du coup, très bon. En plus, il nous met de la bombe d'eau sur le visage quand on gagne un set, ça nous rafraîchit, c'est trop bien. Tu vas la mettre où, la médaille et la coupe? La médaille, je la mets sur une lampe d'eau, une lampe de lumière. Pour décorer? C'est ça. Dans le salon? Oui. Et la coupe? La coupe, pour l'instant, je sais pas trop. Merci, Emma. À bientôt. Et d'un coup, allez hop, championne de France.